Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment modifier le bouton ici présent qu'on retrouve sur la page d'accueil d'un site de type annuaire créé avec le thème Vantage d'App Theme. Donc passons tout de suite à la pratique. Donc si vous avez bien vu le premier tutoriel dans lequel je vous montre comment modifier le contenu de ce module d'en-tête de la page d'accueil, vous avez retenu que il faut déclarer donc notre page d'accueil dans personnaliser et ainsi de suite. Donc en fait on va aller modifier cette page qui sert, dont le titre sert ici comme premier élément du texte et le contenu sert comme second élément. Donc on va toutes les pages, on cherche la page qui sert de page d'accueil, c'est indiqué ici, on clique sur modifier, voilà, donc on retrouve bien notre titre comme première partie du texte, et la seconde partie, on la retrouve donc dans notre code court, et vous voyez qu'en dessous de notre code court, on retrouve notre bouton ici, vous voyez, modifier le bouton, exactement pareil. Donc pour modifier le texte, c'est pas compliqué. On le modifie ici. Là, je vais mettre mon beau bouton par exemple. Je mets à jour. Je renouvelle. Et vous voyez que le texte du bouton a bien été changé. Maintenant, vous avez la possibilité éventuellement de changer le lien, la page vers laquelle renvoie le bouton. Donc par défaut, c'est la page des fiches d'annuaire. Mais admettons, on va renvoyer vers la page de mention légale par exemple. Donc je copie l'adresse du lien. Et ici, je viens me repositionner et vous voyez que vous avez le module de lien qui s'affiche, donc il vous suffit de cliquer ici sur modification, cliquer sur appliquer, sur mettre à jour, vous renouvelez votre page, et donc si maintenant je clique sur mon bouton, on arrive bien sur la page des mentions légales. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous invite à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux. Et rappelez-vous, je vous conseille comme hébergeur AudeSwitch, un hébergeur 100% français qui gère ses propres centres de données et qui fournit un service après-vente de qualité. Vous retrouverez le lien vers cet hébergeur dans la description de la vidéo, tout en dessous, ainsi que le lien vers le thème Vantage d'App Theme si vous ne l'avez pas encore acheté. Je terminerai en vous disant que si je vous parle de ces liens-là, c'est tout simplement parce que ce sont des liens affiliés et c'est ce qui me permet de vous faire des tutoriels vidéo gratuits qui me prennent quand même un certain temps. Et donc je me rémunère grâce aux gains d'affiliation des personnes qui acceptent de passer par ces liens pour acheter que ce soit leur hébergement, leur thème ou leurs extensions WordPress. Donc pensez-y. Allez, je vous en remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao.